Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment supprimer les CAPTCHA. Ce sont les vérifications humaines demandées lors de votre visite à certains sites. Donc en installant cet outil, vous n'allez plus avoir besoin de faire la vérification CAPTCHA. On va voir ça sur Google Chrome, sur Microsoft Edge et sur Opera. On commence avec Google Chrome. Ouvrez un nouvel onglet et tapez dans la barre de recherche Google Chrome Store. Le premier résultat affiché sera Chrome Web Store. Cliquez dessus. Dans l'onglet de recherche en haut à gauche, tapez le mot CAPTCHA. Vous allez avoir quelques résultats. Essayez tout d'abord l'extension Buster. C'est celle que j'utilise, elle est très efficace. On passe maintenant à Microsoft Edge. Cliquez sur l'icône de trois points tout en haut à droite et au milieu du menu affiché, vous allez trouver le mot extension. Cliquez dessus. Dans la barre de recherche en haut à gauche, tapez le mot CAPTCHA. Si aucun résultat n'est affiché, alors cliquez sur Obtenir des extensions pour Microsoft Edge. Ou bien, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, alors vous pouvez également obtenir des extensions à partir de Chrome Web Store. Si on essaye avec Chrome Web Store, on trouve la remarque, vous pouvez désormais ajouter des extensions de Chrome Web Store à Microsoft Edge. Donc, c'est compatible entre Microsoft Edge et Google Chrome. On passe maintenant au navigateur Opera. On clique sur le grand tour au coin haut gauche de notre écran, du navigateur bien sûr. Au milieu du menu, on trouve le mot extension, on met le curseur dessus et on clique sur Obtenir des extensions. Ici dans la nouvelle page, dans l'onglet de recherche, on tape CAPTCHA. Je vous conseille d'utiliser Buster. Et ainsi, on est arrivé à la fin de ce bref tutoriel. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de s'abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire d'encouragement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.